Office Life 3.0 est un spectacle qui est intimement lié à mon parcours personnel puisque j'ai exercé dans le passé le métier d'ingénieur en informatique. Métier que j'ai choisi de quitter pour me lancer dans l'aventure de la danse. J'ai ressenti le besoin de quitter mon travail d'ingénieur en informatique parce que dans ce travail, il me manquait deux choses. La créativité, tout d'abord, et puis surtout le lien aux autres. Bonjour tout le monde, alors on appelle ça mon week-end ? Ah, c'est vous nouveau ? Arthur Jones ? Oui. Le nouveau mathématicien, c'est ça ? Oui, oui. Enchanté. Jacques Bertrand. Prenez place ici, s'il vous plaît. Alors, Arthur, bienvenue chez IDL Trading, les spécialistes du High Frequency Trading. The frequency is high because the limits the sky. People, I want to hear your voices. The frequency is high because the limits the sky. You have to understand that in this company, we aim to be the best. Good business is a fight for survival. Now. Tu as donc été la metteur en scène du spectacle Office Life 3.0. Oui, je constate constamment la beauté des gens, en fait. Je vois jusqu'à quel point dans notre unicité, c'est le mot maintenant, disons une uniqueness, que tout le monde soit très beau et fragile et vulnérable et plein de couleurs différentes. Et aussi d'aider les gens de se voir en ça, de se montrer en ça. Ça passe toujours par une zone d'énorme vulnérabilité. Mm-hmm. Parce que pour oser de se montrer, normalement on a passé toute une vie en train de se cacher, en fait. Parce que c'est ça qu'on nous apprend. C'est quand on voit la vulnérabilité d'une personne, on voit quelque chose de réel qui se passe. Et on peut se permettre d'être vulnérable aussi en face d'eux. J'ai 10 ans. J'arrive dans ma classe d'école. Et aujourd'hui, on a un cours de dessin. Et la maîtresse nous dit, aujourd'hui, nous allons dessiner des graminées. Donc nous allons sortir de la classe pour que vous dessiniez des graminées. Elle insiste pour que nous dessinions ces graminées, donc des graminées c'est des plantes, sur des feuilles noires avec des crayons blancs. Donc je fais ça, je dessine mes plantes, et puis je regarde le dessin, et je me dis que dans le fond ça ne correspond pas vraiment à toute la vie que j'ai sentie dans le champ, vous savez,
où j'ai dessiné ces plantes, où j'ai vu des papillons, j'ai vu des oiseaux, j'ai vu plein de choses en fait, et je trouve ce dessin très triste. Et donc, rentré à l'école, j'ai une idée, je prends des feuilles de couleur et je les découpe, et je les colle sur mon dessin comme ça. Je regarde ça et je me dis, waouh, ça c'est bon, ça c'est bien. Et donc, la maîtresse nous demande de poser nos feuilles par terre, et avec un stylo rouge, elle passe sur chaque feuille. Et arrivée sur la mienne, elle dit « C'est pas terrible ça, 6 sur 10. » On passe au suivant. Et puis je prends mon dessin, je rentre à la maison et là, mais je m'effondre en larmes, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et ma maman me voit, elle me dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Je pleurais tellement que je pouvais même pas lui expliquer. Donc elle téléphone à la prof de dessin pour lui demander ce qui s'est passé. Puis elle revient vers moi en me disant « Ce qu'il y a, c'est que tu n'as pas compris ce qu'elle te demandait. Donc la prochaine fois, si tu veux avoir une bonne note, tu écoutes ce qu'on te dit et tu fais ce qu'on te demande. » Le spectacle est une œuvre collective, c'est une chose qui est très importante pour moi parce que c'est dans la co-création que le lien est possible. Each other and the audience as well. La poussière de craie qu'avant je respirais comme celle des anges s'éparpille en myriades d'étoiles multicolores. Je ne suis plus le passeur d'enfants au degré plus, je reste néanmoins môme en mon univers. Je vis dans un rêve. Des fois je me suis senti justement inconfortable par rapport à cette vulnérabilité quand je chantais cette chanson au début. Et maintenant, grâce à ce travail qu'on fait ici et grâce à toute cette énergie qui est autour de ce spectacle, grâce aussi à l'apport de Lucie qui nous guide dans cette démarche, je vis cette chanson, je la redécouvre et j'ai un énorme plaisir à la chanter. Des notes bleues, quelques blue and green, quelques impressions, monnaie, je suis très content en fait d'être parvenu en fait à exprimer à travers mon instrument des choses
juste essentiel, travailler avec un son naturel, sans amplification, tenir des grilles avec les notes qui sont juste là pour servir l'ensemble et pas, voilà, c'est plus un ego trip quoi, c'est vraiment un travail collectif qui m'a apporté beaucoup. Ce que je vais sûrement prendre avec, c'est le lien qu'on a créé entre nous tous artistes, non seulement avec les danseurs, mais également avec les musiciens. J'aime créer des liens avec les personnes, comme vous. Thomas, je suis pas de Luc, je suis pas du tout d'accord avec toi, écoute. C'est pas du tout ça qui est important. Surtout en tant que danseur. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être le meilleur. De travailler chaque jour, je fais 2 heures de claquettes chaque jour, voire 3, pour monter mon niveau technique, être toujours plus fort techniquement. Parce que pour moi, c'est ça qui compte le plus, tu comprends? D'ailleurs, mesdames et messieurs, j'aimerais vraiment vous demander votre avis. J'aimerais vraiment vous solliciter. Parce que je me suis souvent posé la question de savoir si j'étais aussi bon que ça. Mais je pense que je le suis, en fait. Non, mais ça vous fait rire. Mais je le dis vraiment, sincèrement. Je le pense vraiment. Je travaille tous les jours 2 heures pour ça. Donc maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais que ce soit vous qui décidiez, parmi nous trois, qui est le meilleur danseur. Mon expérience du monde de la danse est en fait très semblable à mon expérience du monde de l'informatique, c'est-à-dire que nous subissons les mêmes pressions, les mêmes contraintes, la même exigence dans le monde de la danse en termes de rendement que dans le monde de l'informatique. Et ces deux expériences, j'ai envie de dire, le monde de la danse tel qu'il existe maintenant, ainsi que le monde de l'informatique, m'ont conduit à me dire que puisque dans le monde, il n'existe pas un environnement qui corresponde à ce que je suis, eh bien, j'ai possibilité, moi, de créer cet environnement.